Ces derniers jours, donc, il m'aide à participer au salon Ever Monaco. Donc, le salon Ever Monaco, c'est le salon des véhicules écologiques et des énergies renouvelables qui a lieu chaque année en principauté fin mars. Donc, dans ce contexte, IMED était partenaire en fait, du salon Ever Monaco, notamment de la société MITI, mais aussi de l'association MC2D qui œuvre pour le développement durable en principauté, pour réaliser une étude auprès des exposants, donc dans le domaine des véhicules écologiques et des énergies renouvelables, pour comprendre un petit peu l'attrait de ce salon, ce que les entreprises viennent chercher à Monaco dans le cadre de ce salon, et comment le comité organisateur pourrait apporter des pistes de développement pour satisfaire finalement les exposants qui participent à ce salon. Donc le salon Ever Monaco, c'est bien évidemment une exposition auprès des exposants dans les domaines des véhicules écologiques et des énergies renouvelables, mais ce sont aussi des conférences, des sessions plénières, des tables rondes où l'on peut échanger sur le développement durable, sur les nouvelles solutions en matière de véhicules écologiques, sur les nouvelles solutions en matière d'énergie renouvelable. Donc, en tant que partenaire, IMED a pu rencontrer les entreprises qui participaient au salon Ever Monaco et donc aborder dans chaque secteur d'activité, donc les véhicules écologiques et les énergies renouvelables, je dirais les contraintes métiers que ces secteurs d'activité trouvent aujourd'hui et aussi les opportunités de croissance durable. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une période où la prise en compte des problématiques environnementales liées au changement climatique est très importante. Et on constate vraiment un véritable besoin d'information et d'information d'ailleurs autant sur la responsabilité sociétale des participants que sur les caractéristiques techniques et l'apport de ces technologies pour le futur. Donc IMED est très fier de cette participation au Salon Ever, puisque dans notre activité, nous contribuons effectivement au développement durable. Et donc, en ce sens, ce partenariat est pour nous une action concrète en principauté pour encourager le développement durable, encourager la mobilité douce et le recours aux énergies renouvelables.